Salut, cher colocataire. Bonjour. Sophie a prévu de passer me voir ce soir et j'aimerais bien qu'on ait un petit peu d'intimité. Oh, vous ne remarquerez même pas ma présence. Je serai très discret. Oui, parfait. Une vraie splendeur. La tasse est encore élargie. Ah ouais? On fait un tour? Je suis un peu vanné ce soir. Télébière pizza? Génial, excellent programme. Et on oublie Mélina et ses ruptures, ce soir je suis là pour personne. Génial. Excellent. Sophie. Je crois. Où veux-tu en venir? Toi et moi, on devrait... Salut. Oh. Oups. Désolé. Oubliez-moi, j'étais dans ma bulle, j'ai rien entendu. Et vous aviez prévu de sortir? Je reconnecte les fils électriques, c'est une vraie pagaille là-dedans. Où est-ce que je peux trouver un interrupteur? Et il va partir, t'inquiète Sophie. Si ça te dérange pas, pour moi il peut rester. Ça ne me dérange pas du tout. Alors, buvez un verre avec nous. Quoi? Je suis obligé de rester? Vous voulez rester? Ça marche. C'est génial. Super! Parfois, on a l'impression de gâcher sa vie, métro, boulot, dodo. Et c'est valable pour 6 milliards de personnes sur la planète. 6 milliards d'individus? En vous voyant à l'œuvre, leur nombre ne risque pas d'augmenter. Que voulez-vous dire par là? Si j'ai bien compris, vous n'aimez pas votre boulot. Quel travail vous tente? Ne riez pas. J'en ai parlé à Greg, c'est tout. Je voudrais partir à l'étranger. Pour m'occuper d'animaux, j'ai vu un sanctuaire d'orang-outan à la télé. Partez. Quoi? Qu'est-ce qui vous retient? Elle n'a pas d'expérience et ils ont besoin de personnel qualifié. Oui, et en plus, c'est un saut dans l'inconnu. Tous les gens que je connais vivent ici. On lui a offert un travail à Londres, mieux payé, et il a refusé. Je préfère rester à Colchester. Je n'aime pas Londres. Ah oui, vous avez tout à fait le droit de mener une existence confortable. De finir votre vie au centre d'appel, c'est pas mal, non? Prendre des risques, c'est pas votre truc, n'est-ce pas? Ah non, je prends pas de risques. Tout le monde a des rêves, mais rares sont ceux qui les réalisent. Ne vous voilez pas la face. De tout l'univers, ce centre d'appel est certainement l'endroit qui vous correspond le mieux. Pourquoi dites-vous cela? C'est horrible! Je me trompe? Je répondrai pas au téléphone toute ma vie, je ferai ce que je veux! Oh! Oui, bien joué! Oh mon dieu, il est doué, t'as entendu, il est doué! J'ai pas suivi, excusez-moi, tu vas vivre avec les singes? L'univers est vaste, Sophie. Essayez de définir ce qui vous retient ici. J'en sais rien, je vois pas.